et découvrons à présent la boxe thaïlandaise, le Muay Thai, une discipline aux aspects forcément combatifs, mais qui comporte aussi d'autres valeurs telles le respect, la discipline, le courage et l'humilité. Nous avons rencontré des jeunes participant à un tournoi au centre communautaire de Malherbe Bay. Le Muay Thai, de par ses principes, séduit plus d'un. Rupesh Najuda. Un ring de boxe classique, une école de vie pour ces jeunes, un sanctuaire où les éléments se rencontrent. Le corps en union avec l'esprit s'imprègne de son environnement et découvre son souffle au son de la musique traditionnelle qui rythme les combats de Muay Thai. Des rituels s'imposent afin d'apprivoiser les lieux, le savoir est transmis, la permission est demandée pour s'affronter selon les règles de l'art ancestral. On beaucoup plutôt le respect et le combat et la musique traditionnelle qu'ils jouaient, comme si les boxeurs étaient en transe avec la musique et ils étaient boxés pour rapport à. Nous, notre travail, c'est amener le Muay Thai pour toi à travers l'île, montrer c'est quoi le Muay Thai, comment on fait, c'est pas un esprit pour nous le monter, nous lui donner un coup de poing, un coup de pied. C'est le respect comme on dit à vous, c'est la musique, c'est plutôt une culture. Et ce qui nous les fait, c'est lui amener la culture de la boxe thaï. Ça fait 2 ans mon pote m'a là-dedans et depuis que je fais ça, je fais un certain contrôle de mon caractère et j'apprends la discipline et le respect des autres adversaires. Donc il n'est pas juste taper coup pour coup et aussi après combat, le combat, il y a un respect, il ne peut pas le battre tout le monde. J'ai des petits petits, oui, ma maman aide-moi toujours dans la boxe. Après, je peux persévérer dans la boxe à Paris-Marie-Louis, car c'est un peu les autres pays. Le Muay Thai, au-delà de la compétition et de la combativité, un art de vivre, de se connaître et de s'ouvrir à l'autre dans un esprit de fraternité. Une passion pour ces jeunes, l'apprentissage d'un code de conduite dans l'adversité, alternant souplesse et coups, afin de raffermir leur emprise sur leur chemin de vie.